Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes mardi. Je suis en train de faire à manger. Gabin regarde, en fait c'est bien parce qu'à chaque fois que je fais à manger, il y a Gabin qui est dans son parc juste là. Il adore regarder ce que je fais. Voilà, il y a l'aspirateur qui est en route par là-bas. Voilà, ça c'est génial. Donc ce midi je fais des spaghettis bolognaise. Voilà, toujours des pâtes vous allez me dire, mais Greg n'aime que ça. Mais je veux changer un petit peu, faire du riz autre, il en veut pas, donc voilà, du coup c'est des pâtes presque tous les jours. C'est un peu chiant, mais bon. Là, ce midi, donc on va manger et programme de l'après-midi, on va aller faire un petit tour chez Jiffy. Voilà, parce que nous manque encore peut-être quelques petits meubles, je sais pas, du fait que je veux faire mon coin de bureau. Il me faudrait une, comment on appelle ça, une étagère pour ranger les papiers, Greg m'a dit hier, mais je sais plus. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue, ça m'énerve et ça va me revenir après. J'en suis certaine. Bref. Ah, non, je ne sais plus. Après, je voulais trouver aussi. Alors, normalement, j'en ai vu à Centracor. Donc, si on ne trouve pas chez Jiffy, on ira chez Centracor. En fait, j'ai reçu un colis de chez Desenio. C'est les cadres, vous savez, les affiches, etc. Et du coup. Parce qu'en fait, je veux vraiment faire au-dessus du bureau. Je vois un petit mur de cadre, d'affiche, voilà. Mais petite astuce, en fait, sur Desenio. Moi, souvent, je prends que les affiches. Et en fait, les cadres, ils sont trop chers sur leur site. Du coup, je prends uniquement les affiches. Et puis, les cadres, je vais les chercher à Centracor ou voilà, dans des petits magasins où ils seront beaucoup moins chers. Voilà, c'est la petite astuce pour Desenio. Parce que franchement, sinon, c'est abusé, quoi. Le prix des cadres, genre, c'est 25 euros un cadre. Alors que même sur Amazon ou autre, vous trouvez les cadres à 5 euros. Donc voilà, donc, je préfère faire comme ça. Du coup, de toute façon, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo spéciale avec les affiches que j'ai trouvées. Parce qu'il y en a pour, il y en aura pour le bureau, pour la chambre, que je vous ai dit aussi que je voulais refaire. Et puis pour l'entrée, en fait, dans les escaliers, j'ai déjà vu sur Instagram une photo, ça faisait magnifique, en fait, les escaliers. Et en fait, les affiches sont le long, voilà, le long des escaliers, enfin... vous montrerai ça. Sinon Gabin en ce moment ça va un petit peu mieux. Monsieur ne râle plus trop quand je pose. Ça va, je sais pas, c'était une petite période. Mais à chaque fois t'es mort de rire quand je te montre la caméra. T'es toujours mort de rire avec la caméra. Voilà, donc du coup c'est cool parce que voilà, je peux enfin faire à manger sans avoir Gabin qui pleure. On va devoir le porter en même temps. Voilà, je peux te poser le temps de faire à manger. C'est trop cool. C'est trop cool. Et là je lui ai mis un t-shirt de chez Zara. Donc ça c'est une copine qui nous l'a acheté. Un t-shirt avec des petites tortues dessus. Il est trop mignon. Avec des petites chaussettes. Et rayé avec le body rayé aussi qui suit. Voilà, j'adore t'habiller hein. C'est vraiment une passion bon, habiller Gabin, j'adore ça. Je vous avais pas montré non plus ma petite trouvaille à la foire fouille. J'ai fait un petit tour avec ma mère. Et il y a l'aspirateur qui est encore perdu. Normalement, il cherche. En fait, il cherche à se ranger, mais il trouve plus sa maison. Il trouve plus sa station de rangement. Donc, il cherche partout. Bref, j'ai trouvé ça pour. Je crois que c'était moins de 2 euros. Trop contente. Quand j'ai vu le prénom Gabin, j'ai dit il lui faudra. Ce sera son premier gobelet. Hein. Je trouve ça vraiment chou, quoi. Il y avait pas mal de prénoms. Bon, nous voilà chez Jiffy. J'ai attaché mes cheveux parce qu'ils sont sales. Je les lavais hier. Mais vu qu'on s'est couché tard, je les ai pas lavés. Donc, ils sont dégueulasses. Bon et eh bien ici ça y est c'est Halloween, il y a tous les rayons, il y a même des déguisements, des costumes etc. C'est trop mignon ça. Hop, il y a vraiment pas mal de choix pour ceux qui font des petites soirées Halloween ou qui veulent décorer chez eux tout simplement. Ah bah là il y a même tous les costumes adultes. Oh il y a même enfant, ah non c'est, je pensais que c'était adulte mais non c'est tout enfant. Le petit diablotin il est trop mignon. Et voici ici du coup les costumes adultes. Ici il y a vraiment pas mal de choix. Et je trouve que ça va les prix quoi. Des costumes pour 10 euros, 15 euros. Alors là gros coup de cœur pour des tapis vinyles carreaux de ciment. J'adore, mon Greg n'aimera pas du tout. Mais pour ceux qui aiment les carreaux de ciment, bah, il y a des grands tapis en vinyle. Et petite astuce, beaucoup vous étiez hyper nombreuses à me demander d'où venaient mes sous-mains. Parce qu'en fait j'ai des sous-mains, des sets de table, voilà, des sets de table comme ça, vinyle. Et je les avais eu sur vente privée. Mais astuce en fait c'est exactement ça. Donc vous pouvez
largement prendre un rouleau comme ça, il est coupé, pour en faire des sets de table. Comme si Gavin n'avait pas encore assez de vêtements. Et orchestré avec la carte, du coup, ça vaut le coup. Trop belle, avec des pandas. Oh, celle-ci, elle est plus grande. Je sais pas si c'est de taille 2. On va passer sur de la taille 2. Hein. 85 centimes. Des pandas. Il va aimer le chauffer. Ça va attaquer, ça va attaquer. Se cache. Bon, alors chez Jiffy, j'ai trouvé les cadres comme je voulais. Je voulais à tour noir comme ça. Donc ça va être parfait. Et ensuite, j'ai pris cette balle pour Gabin. Parce que en fait, c'est vrai que ces balles-là, c'est vraiment génial. On peut les agripper facilement. Pour l'instant, voilà, un ballon, il ne saurait pas le prendre du tout. Mais là, grâce à tous ces trous-là, c'est facile pour agripper. Et du coup, voilà, avec la musique, la petite clochette dedans, ouais, il va adorer. Alors niveau déco chez Jiffy, on a trouvé ce magnifique cerf. Je trouvais qu'il était vraiment trop joli avec les cornes comme ça en bois. On va accrocher ça je pense dans l'entrée. Voilà, une petite déco. C'était pas super cher, je crois que c'était 12 euros. Voilà, donc c'est pas cher et puis ça fait de l'effet. Je trouve ça super beau. Ensuite, Greg s'est trouvé un pot du coup pour, comme celui-là, il venait déjà de chez Jiffy, de la même collection, pour mettre un panier dedans pour l'entrée. Voilà, il est content, ça va faire beau, moi ça va suivre en fait, on a tous les pots comme ça chez Jiffy, moi c'est les mêmes, il y aura du plus grand au plus petit, et puis le balai. Bon, eh bien Gabin a adopté sa petite balle, je pense qu'il est un peu frustré parce qu'elle se met pas à la bouche, mais au moins ça s'attrape facilement. Ouais. Ça, c'est la cuve dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier que Greg est allé chercher. Franchement, trop belle quoi. En fait, c'est une cuve de récupération d'eau de pluie, mais imitation bois comme le chalet. Alors que c'est pas du bois, hein, c'est du plastique en fait. Mais trop belle. Donc d'occasion, franchement, ça vaut super le coup quoi. Si on avait acheté ça neuf, c'était hors de prix. Et là, au moins, bah, ça va suivre. C'est combien ? 300 euros neuf. Et là, on l'a eu à 60 euros. Donc ça vaut vraiment le coup, tout ce qui est Le Bon Coin, etc. Quand on cherche des petits trucs. Voilà, génial. Marketplace ? Ah bah, Facebook. Alors, j'en profite pour vous montrer ce que j'ai pris chez Orchestra, du coup. Voilà, j'ai pris des petits chaussons. Voilà, ils étaient soldés. Non, en fait, c'est parce que moi, j'ai, avec la carte, moins 50%. Donc, le prix club, 3,99€, les petits chaussons. Ensuite, j'ai pris un lot de deux pyjamas. Voilà, encore un pyjama moutarde. J'aime trop le moutarde. Et ce que j'ai vraiment aimé avec ces deux pyjamas-là, c'est que c'est une fermeture devant. C'est trop génial. J'ai quelques combis comme ça, fermeture, et c'est franchement pratique. Donc là, quand j'ai vu les fermetures, j'étais trop contente. Et là, du coup, le prix club, 12,50€ pour les deux. Ça fait, voilà, ça fait un peu plus de 6€ le pyjama. Ça vaut trop le coup. Et là, un petit haut pour la mi-saison. J'ai pris du 6 mois. Et avec le prix club, il est revenu à 3,98€. C'est vraiment trop chou. Et ensuite, j'ai pris pour le swap dont je vous ai parlé. Le swap avec une petite fille. Donc voilà, je ne vous montre pas. Parce que du coup, vous verrez sur sa chaîne quand je vous partagerai le swap quand elle va déballer. Bon, ça y est, il est 20h30. Gabin est profondément endormi. C'est dingue comme le soir. Il a vraiment envie de dormir rapidement en fait. À partir de... J'ai pris son bain à 19h30.
Il frottait ses yeux dans son bain, il était déjà crevé. Et puis après, ben, le biberon, pareil, pendant le biberon, il frottait ses yeux. Voilà, il voulait vraiment se coucher, donc du coup, c'est cool parce qu'après, j'ai vraiment pas de difficulté à l'endormir. Ça, c'est génial parce que je me souviens que les deux premières fois, j'arrivais pas. J'essayais de l'endormir, il pleurait. Je descendais, je remontais, je descendais, je remontais. Je faisais comme ça des allers-retours, au moins 15, 20 allers-retours en fait, c'était un truc de fou. Et là, je le pose, il s'endort direct, c'est tout, c'est bon. Les nuits, je suis trop contente, c'est vraiment, c'est nickel. Voilà, du coup, je vais laver mes cheveux, je suis trop contente, enfin, enfin, parce que là, c'est un peu la catastrophe. Je les lave, j'aime pas les attacher, j'ai horreur de ça, je trouve que ça me va pas du tout. Pourtant, Greg, lui, au contraire, il aime bien. Mais j'ai pas eu l'habitude de les attacher, donc du coup ça me fait bizarre quand je les attache. Voilà, mais c'est pas grave. Sur ce, eh bien, je vous fais des gros bisous, comme ça je vais aller me laver les cheveux, et puis après manger, faire le montage du vlog. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai quelques mails encore à répondre. Voilà, je vais essayer de me coucher pas trop tard ce soir, ce serait cool. Donc je vous dis bah, du coup à demain pour la prochaine vidéo.